Le cross, Océane et Maëva prêtes à éliminer Julien Tanti. L'émission Le cross a débuté sur les chaînes de W9 il y a quelques jours. Le cross regroupe notamment certains candidats des Marseillais et du reste du monde. Dans l'épisode de l'émission du 2 décembre, certains candidats ont pensé à l'élimination du chef de famille des Marseillais, Julien Tanti. Il s'agit notamment de Maëva Guénam et d'Océane Alimé. Cette idée d'élimination du chef de famille des Marseillais qui a plus d'une dizaine d'années d'expérience dans la télé-réalité fait couler beaucoup d'encre. C'est Noré qui s'efforce de se donner les moyens pour évincer le chef de famille des Marseillais. Automatiquement arrivé dans le cross, Noré, le mari de Camilla, a fait savoir à tout le monde qu'il envisageait de prendre le trône de chef de famille des Marseillais. Selon lui, Julien Tanti a déjà fait ses preuves dans l'émission et il serait temps pour lui de laisser ce rôle à quelqu'un d'autre. En d'autres termes, la star de télé-réalité Noré considère que la fin du règne de Julien Tanti a sonné. Le mari de Camilla pense à un renouveau dans la famille des Marseillais. Chose étonnante. Julien, le chef actuel de la famille des Marseillais, a apprécié la franchise du candidat Noré. Mais pour lui, ce serait un exploit que Noré prenne la fonction de chef dans les Marseillais. Julien Tanti, star emblématique du monde de la télé-réalité, a du mal à imaginer que ses amis de longue date s'unissent pour l'évincer de son siège. Pour atteindre son but, le mari de Camilla a commencé par mettre en place une stratégie pour évincer Julien Tanti. Il ne lui reste qu'à convaincre le poumon ou le noyau des Marseillais après l'élimination de Victoria. Il a donc proposé à Océane Alimé de lui confier sa carte d'immunité. Cela lui permettrait de trancher s'il perdait à la prochaine cérémonie. Il voterait ainsi contre le chef de famille, Julien Tanti. Océane Alimé n'a pas contesté l'idée de Noré et lui a remis sa carte d'immunité. Elle a même été soutenue par son amie Maëva Guénam. C'est donc le plan de Noré qui prend doucement forme. Mais quelques instants après, Maëva Guénam et Océane Alimé se rendent compte du mauvais tour qu'elles sont sur le point de jouer à Julien Tanti. Ayant déjà remis sa carte d'immunité à Noré, Océane ne voudrait pas que Julien s'en aille. Maëva Guénam également ne souhaiterait pas le départ de Julien. Elles regrettent leurs actions et ne savent plus quoi faire. Pour Océane Alimé, elle a fait un pacte avec le mari de Camilla pour cette cérémonie uniquement et non pour le reste de l'aventure.